Loki et le docteur Fatalis se dirigent vers l'océan. Ils sont sûrement sur la piste de briques cosmiques. Il faut aller là-bas et les retrouver. Loki, mon frère, que lui est-il passé par la tête pour qu'il s'associe à ce Fatalis de malheur? Je vais lui faire entendre raison. Du calme, le bourrin. Il faut d'abord qu'on le retrouve. Aucune idée, mais le signal semble provenir de ce bateau. Les sous-marins de recherche du Shield sont utilisés pour combattre nos ennemis sous l'eau. Ils sont dotés d'un équipement de détection dernier cri, idéal pour localiser l'adversaire ou des objets. Ça se passe où, mon petit rencard avec Thor? Dans un sous-marin de recherche du Shield. Un sous-marin de recherche armé jusqu'aux dents. Je m'attendais à autre chose. Non, ça, ce n'est pas notre sous-marin. Cet interrupteur. Essaie d'utiliser ton laser pour découper une forme.
sens d'araignée. Qu'est-ce que c'est ? Bien joué, Smiley. Alors que j'essaie de me concentrer, attaquez-les! Me chatouille. Encore mon sens d'araignée. Qu'est-ce que c'est ? Thank you.
dieu de la foudre et du tonnerre. Venez, Iron Man et Aragman, la voie est libre. Sous-marin. Je ne peux pas faire tomber la foudre ici. Nous sommes piégés. Ça va aller, Thor. Je peux séparer les molécules d'eau par télékinésie. Jean, combien de temps vas-tu pouvoir maintenir cette bulle ?
peux encore vous protéger. Mais ma force est focalisée sur ce champ de force. Protégez-moi. Comment pouvons-nous être sous l'eau et protégés par la force d'esprit d'une simple mortelle? Qu'est-ce que c'est ? Attention ! Vatalis est sûrement dans les parages. Recherche. Vatalis était dedans quand le pétrolier a sauté. Il semble qu'il ait été pris au piège dans l'explosion du pétrolier. Je détecte un autre navire à proximité de vos coordonnées. Font des mers avec des statues? Je sais pas, mais je trouve ça de très bon goût.
ouvrez la trappe, tout simplement. Ah, oh, ça va pas la tête de frapper comme ça. Doc, dis-nous à quoi te servent toutes ces briques cosmiques? Je ne parle pas de vulgaires insectes. Alors qu'en est-il d'un dieu ?